Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé alimentaire, le clou de girofle. Le clou de girofle est une fleur du giroflier cueillie avant son développement comme condiment. Le giroflier fait son apparition pour la première fois en Indonésie. Je vais aborder le clou de girofle sous forme d'infusion. Alors, il faut savoir que le clou de girofle est un allié masseur. Il affine la silhouette et est vraiment un excellent coupe-faim naturel. Sous forme d'infusion, vous pouvez prendre donc pour une tasse un clou, du miel, donc une cuillère à café de miel, une pincée de cannelle, du jus de citron. Vous mélangez le tout dans votre d'eau chaude et vous laissez infuser environ 20 minutes et vous buvez. Vous pouvez boire plusieurs tasses dans la journée. Le clou de girofle aussi soulage les douleurs dentaires. Il faut le savoir, ça a des propriétés antiseptiques, hein, donc permet d'avoir des gencives en meilleure santé. Vous pouvez mâcher un clou de girofle, le mettre sous la langue, hein, donc c'est excellent pour la vraiment l'hygiène buccale. Vous avez aussi la propriété antivirale et antibactérienne du clou de girofle, hein, qui lutte contre les rhumes ou les hypos. Voilà, donc ça c'est un élément. Alors il faut savoir, attention, que le clou de girofle n'est pas conseillé pour la femme enceinte, interdit aux femmes enceintes. Donc si vous êtes enceinte, évitez le clou de girofle jusqu'à l'accouchement. Alors, il faut savoir que le clou de girofle également a des propriétés toniques, hein, donc c'est un anti-fatigue naturel. Le clou de girofle, en résumé, est un condiment à ajouter dans votre alimentation si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'en Afrique, on rajoute aussi du clou de girofle dans de la boisson à base de bissap. Donc, c'est la fleur d'hibiscus, hein, en infusion. Donc, vous pouvez mettre un clou de girofle. Vous pouvez mettre aussi dans du jus de gingembre, un clou de girofle. En Afrique, on le fait, ça se fait. C'est bon pour, bien sûr, la santé. C'est un plus, hein, que je vous donne. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'était un bref résumé sur le clou de girofle. Je vous invite à en consommer, très bon pour la santé. Merci de m'avoir écouté, bienvenue au nouveau pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Abonnez-vous en activant la cloche de notification sur toutes les notifications afin de ne rien rater sur mes publications. Likez, partagez. Merci à ceux qui me suivent déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je m'efforcerai donc de vous fournir un contenu assez riche. Donc en conseils en santé alimentaire, hygiène de vie et des conseils en vie personnelle et familiale. Si vous avez besoin de coaching ou de suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, hein, sur santé@evelynecoaching.com. Vous souhaitez avoir des conseils en santé alimentaire ou en vie personnelle et familiale, vous précisez votre demande par mail et je vous recontacte au plus vite afin de pouvoir fixer une date de coaching. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo.